Bienvenue dans le Top Boys, cette semaine consacrée à ces sportifs à qui il ne manque que le mariage pour être heureux. Numéro 5, Lionel Messi. Un quatrième ballon d'or et un bébé. 2012, c'est bien terminé pour l'Argentin. Maintenant, il faudrait penser au mariage. La jolie Antonella s'impatiente. Elle aimerait un beau mariage de princesse. À la décharge de Messi, le foot lui prend tout son temps. Il n'a pas beaucoup de week-ends libres. Numéro 4, Rafael Nadal. L'Espagnol aurait pu mettre à profit sa longue convalescence pour épouser Chisca, sa fiancée de très longue date. Ils se connaissent depuis l'enfance, sortent ensemble depuis l'adolescence, mais toujours pas de mariage en vue. Il n'y a pas que le tennis dans la vie, Rafa. Numéro 3, Cristiano Ronaldo. Avec sa sublime compagne, Irina Shayk, il fait régulièrement la une des tabloïds. Rumeurs de mariage, de séparation, d'infidélité, on ne sait plus où donner de la tête. Faudrait un peu passer la deuxième, là, Cristiano, car les prétendants ne manquent pas pour prendre ta place. Numéro 2, Novak Djokovic. Il domine le tennis mondial et sa première supportrice, c'est sa petite amie, Jelena Ristić. La jolie Serbe le suit aux quatre coins du monde pour l'encourager. Mais alors, le mariage, c'est pour quand? On se le demande. Leur caniche Pierre n'en peut plus. Il veut assister à l'union de ses maîtres. Numéro 1, Iker Casillas. Le fameux baiser à la belle Sara Carbonero devant les caméras après le triomphe de l'Espagne au Mondial 2010 paraît bien loin. Sexy, glamour et en pleine réussite, à 31 et 28 ans, Iker et Sara forment le couple parfait. Il faudrait peut-être songer à rendre tout ça un peu plus officiel. Traditionnel, normal quoi. Les fans s'impatientent.